Salut! Enfin, plutôt, wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes samedi. Et le samedi, souvent, de la nuit du samedi au dimanche, qu'est-ce qu'il se passe? De la castagne! De la castagne sponsorisée! Du sang! Nous passons des nuits blanches à regarder des combattants se la donner à cœur! Pour se fracasser et remporter la victoire. Et nous, nous sommes chez nous, en train de les voir, en train de saigner, de se blesser. Et nous prenons plaisir à voir ce spectacle absolument magnifique. Comme vous le savez, ce soir, mesdames et messieurs, un grand match de la boxe se joue entre Devin Haney et Vasyl Lomachenko. Qui va remporter ce match? On a vu leur face-off. Leur rencontre où Devin Haney perd complètement le contrôle et pousse Vasyl Lomachenko, qui pourtant est resté silencieux. Il n'a pas fait de commentaires bizarres à l'encontre de Devin Haney. C'est Devin Haney qui n'a pas arrêté de faire des interviews en disant que voilà, il n'allait pas vendre le match, voilà, il est quelqu'un de timide, voilà, il est quelqu'un que je veux frapper, c'est moi le numéro un, c'est moi le plus fort de la division. Et là maintenant, tu te retrouves en face de Vasyl et tu le pousses alors que vous n'êtes même pas encore sur le ring. Ah, ça, ce sont les actions de quelqu'un qui commence à perdre confiance. J'ai l'impression que Vasyl Lomachenko est entré dans la tête de Devin Haney alors qu'il n'a rien dit, il n'a rien fait. Comment a-t-il fait pour rentrer dans la tête de Devin Haney et de pousser Devin Haney à agir comme un gamin? Lors d'une rencontre comme ça, tu touches ton adversaire alors que c'est formellement interdit. Eh ben, dis donc, Devin Haney, tu commences à faire des actions de rageux alors que le combat n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la rage? Tu as vu quelque chose dans ses yeux? Tu as dû le voir avec toutes les ceintures que tu portes là, où il te les arrache. Oh là là, si vous saviez le nombre de ceintures qui se jouent, il y en a au moins 4, 5. Champion du monde de tout. On comprend même plus, il est champion de quoi? Avec toutes ces ceintures. Hein, de toute façon, dans leur division de boxe, là, tout le monde est champion du monde. Tout le monde est champion du monde. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça aurait été bien que ça, comme Mayweather, il a dit, il faut qu'il y ait un nettoyage des coupes et qu'il n'y ait qu'une seule division, qu'une seule ceinture par division. Ça, c'est bien. Mais en tout cas, nous allons assister à un match d'anthologie ce soir entre Devin Haney et Vasyl Lomachenko. Pour vous, qui va sortir vainqueur de ce match absolument anthologique? Anthologique!